Donc, qu'est-ce que Golden Farm? Alors, Golden Farm, tout d'abord, vous voyez, principal, c'est effectivement un jeu avec retrait d'argent, des gains stables, avec un programme en plus d'affiliation. Ce que je peux vous en dire, c'est très simple. C'est un jeu où, effectivement, on gagne de l'argent en achetant des oiseaux. Les oiseaux pondent des œufs. Les œufs, on les revend. Et la suite à la vente de ces œufs, eh ben, on gagne de l'argent qui est dispatché de deux manières. Il y a 70% du gain qui sert à la recharge du compte et 30% du gain qui permet de retirer des fonds. Donc ici, on retire véritablement de l'argent. Pour comprendre ce qu'est ce jeu, voyez donc le prix des oiseaux commence à partir de 150 pièces. Il faut savoir que à l'inscription, le jeu vous offre un oiseau plus 300 pièces, ce qui donne déjà un bon départ pour pouvoir commencer à jouer sans investir le moindre centime d'euro. Donc le prix des oiseaux commence avec 150 pièces d'argent. C'est un système automatique de collecte des œufs. Ramassez les œufs sans perte ni restriction. Attends, ramassez pardon, les œufs comme bon vous semble, même une fois par heure, même une fois par jour ou une fois par mois. Peu importe, les œufs ne disparaissent pas et ne sont pas pourris. C'est ça qui est important. Même si on n'a pas le temps ou si on n'a pas envie de se connecter tous les jours, il faut savoir que les oiseaux continuent à pondre tout le temps. Même quand on dort la nuit, ça continue à pondre. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, donc, les œufs ne pourrissent pas. Donc, c'est vraiment un revenu passif. Ça travaille tout seul. Donc, en fait, c'est un marché qui est bien organisé, qui permet d'échanger des œufs contre des pièces d'argent immédiatement. Un maximum de gains rapides d'argent dans votre portefeuille. Portefeuille électronique, bien entendu. Donc, au cours du jeu, il y a de nouveaux blocs qui sont ajoutés, mais ça, c'est plus tard quand on arrive à un certain niveau au niveau du jeu. Et ça, là, moi, j'en suis pas encore là. Donc, le projet a sa propre monnaie, or et argent. Il y a deux types d'argent, comme je vous l'expliquais. L'argent pour les achats et l'argent pour le retrait. L'argent pour les achats, l'argent pour le retrait. Pour les achats en argent, on peut soit réinvestir, ou alors, si on veut aller plus vite, on peut aussi acheter directement avec de l'argent réel. Mais ça, on verra ça une autre fois. Là, pour l'instant, je vous explique simplement qu'est-ce que ce jeu. Et ensuite, donc pour le retrait également, on peut en faire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ici. On peut retirer de l'argent réel. Donc pour acheter les oiseaux, on peut reconstituer le solde pour les achats dont on a besoin, c'est-à-dire ici, acheter des oiseaux. Je vais vous montrer. Ensuite, une fois qu'on a reconstitué le compte, on va dans Magasin d'oiseaux, voilà, et ainsi de suite, pour acheter les oiseaux qu'on souhaite, toujours ici. Après avoir reconstitué le compte, donc on va dans le magasin. Ça, je viens de vous le dire. Juste après l'achat d'oiseaux, on reçoit automatiquement les œufs. Donc, c'est-à-dire qu'on les reçoit dans l'entrepôt. Ensuite, on peut voir donc dans l'entrepôt et on peut les collecter et les revendre ici. C'est pas très compliqué. On a un bonus quotidien en cliquant ici qui nous donne toutes les 24 heures un bonus. Ça va de 0, de 10 à 100 pièces. Là, pour l'instant, vous voyez, moi, il me reste encore 1h49, donc là, je ne peux pas retirer mon bonus. Bref, donc je vous explique. Voilà, vous voyez, je vous montre. Pour acheter des oiseaux, c'est très simple. Vous avez plusieurs oiseaux, vert, jaune, marron, bleu, rouge et le bird. Chaque oiseau coûte une certaine somme d'argent. Chaque oiseau a une certaine productivité. Donc là, rien de compliqué. Dans l'entrepôt, donc on récolte les œufs. Donc une fois, oui, par exemple, moi j'ai 37 oiseaux verts, 34 jaunes, 19 marrons et 2 bleus. Et pour l'instant, je n'ai pas encore le rouge et le bird. Donc mes oiseaux, moi, pendant que je ne suis pas là, ils travaillent tout seuls. Je vais regarder. Donc dans mon entrepôt, combien d'œufs ils m'ont pondu? Je clique sur entrepôt. Voilà. Voilà les œufs de mes oiseaux. Alors que mon ordinateur est éteint et que moi je suis partie au travail. Pas compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on clique ici sur collecter. Voilà, je collecte. Vous voyez, il me dit, hop, oh, là je suis revenue en anglais. C'est pas grave.
Je fais clic droit, traduire. Voilà, et je reviens en français. Donc on me dit que j'ai récolté tous mes œufs avec succès. Ben, c'est parfait. Donc puisque j'ai récolté tous mes œufs, je vais maintenant ici, puisqu'ils sont là. Voilà mes œufs, ce qu'ils m'ont donné en pièces d'argent, en sachant qu'une pièce d'argent égale 100 œufs. Donc ce que je fais, c'est que je les vends. Je clique sur vendre. Vendre. Et vous voyez là, regardez, là, en haut, j'ai une certaine somme. Là et là. Et en vendant, vous allez voir que cette somme-là, elle va bouger. Voilà. Pourquoi? Parce que mon argent, c'est le nombre de pièces qu'il y avait là, c'est redispatché en 70% et 30%. Voilà. Donc de là, à partir de là, je peux acheter d'autres oiseaux, puisque le but étant de réinvestir. D'accord? Tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans acheter des oiseaux. Pour ceux qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, bah alors donc je recommence, hop, je traduis en français. J'ai une certaine somme, je décide d'acheter des oiseaux. J'achète, je clique. Donc là, je sais que j'ai 143 000 pièces, 806,38. D'accord. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec 143 000 pièces? Eh bien, je peux acheter, par exemple, je peux acheter un bleu. Parce que là, j'ai 37 000. Donc, je décide d'acheter un bleu qui va me donner 1430 œufs par heure. Voilà. Mais il m'en reste encore. Donc, j'en achète d'autres. Le but étant d'investir un maximum. Parce qu'au plus, j'ai d'oiseaux. Et au plus, j'ai de pièces. Forcément. Je continue. Il m'en reste encore. 68 000. Voilà. Là, vous voyez, regarde, si je clique sur celui-ci, Red, il me dit j'ai pas assez. Ben, c'est normal, hein, puisqu'il y a beaucoup plus de pièces pour celui-là. Donc j'en achète encore. Voilà, et je continue et j'achète encore. Hop, là, il me reste 31 000. 31 000, donc là je peux plus. Donc maintenant, je passe ici, 7500. Il me reste encore 23 000. Donc je continue. Tant que je peux acheter, j'achète. Ce qui me permet donc d'investir sans avancée d'argent. On est bien d'accord. Là, j'ai pas rechargé mon compte avec ma carte bancaire. Hein. C'est ce que mes œufs ont pondu. Donc là, je suis à 1306 et à 738. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est le jeu. Voilà. Après, vous avez la possibilité, et ça, moi, je vous le recommande vivement, de faire des parrainages dans mes recommandations. Parce qu'avec les recommandations, les personnes que vous avez donc en filleule, le jeu vous récompense avec 250 pièces. Donc vous allez me dire, c'est peut-être pas grand chose, mais 250 pièces, ça vous permet déjà d'acheter un oiseau. Et mine de rien, un oiseau vert, 5 par heure, hein, 5 fois 24, vous voyez le nombre d'œufs. Donc au début, c'est vrai que ça peut paraître lent à mettre en place, mais au plus vous avez des parrainages, au plus vous montez vite, après il faut un peu de patience, c'est sûr. Voilà, donc en gros. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très sérieux. Mine de rien, ça prend moins de 5 minutes par jour et on gagne de l'argent. Ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on fait pour retirer ces fonds pour les mettre sur un portefeuille électronique. Voilà. J'espère avoir été clair. Je vous mettrai le lien du parrainage au-dessous de la vidéo pour pouvoir y accéder. Et puis je vous souhaite de vous amuser tout comme moi et de commencer à récolter. Pour les suspicieux, je vais vous montrer simplement pour retirer des fonds. Ici, voilà, vous voyez, donc vous avez toutes les sortes de modes de paiement. Voilà, vous voyez, moi personnellement j'utilise Payeer. Voilà. Après, il y a plein de choses encore à voir, mais je ne peux pas tout mettre sur la vidéo parce que sinon, ça va faire trop d'un coup. Voilà. Donc, prochaine vidéo, je vous explique comment faire pour retirer l'argent, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Vous allez bien? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un transfert d'argent de Payeer vers un compte bancaire par l'intermédiaire d'une plateforme d'échange.
Je vais donc sur mon compte Golden Farm. Je clique sur Retirer des fonds. Je clique sur Payeur. Pour le détail des retraits, j'ai déjà fait une vidéo, je vous laisse la regarder. Une fois que j'ai fait mes retraits, j'ai donc mon argent sur mon compte Payeur. Je vais donc me connecter sur ma plateforme d'échange Changer4You. Je sélectionne Transfert à partir de Payeur en euros, puisque moi j'habite en France, donc c'est ce qui m'intéresse, et transférer à SEPA, puisque le SEPA c'est directement sur le compte en banque, et je sélectionne euros, bien entendu, aussi. Comme j'ai 95 euros sur mon compte Payeur, je décide de mettre 90, pardon, 90, je fais entrer, voilà, et vous voyez sur mon compte SEPA, je vais avoir 83,65 €. Et je clique sur commencer. Donc, montant à transférer 90 euros. La plateforme Changer4You m'indique qu'ils vont recevoir de la part de mon compte payeur 90 euros. Comme toute plateforme où l'argent circule, bien entendu, il y a des frais. Donc pour 90 euros, il y a 5,85 € qui correspond à des frais de 6,5%. Pour les frais d'envoi SEPA, il y en a aussi, donc 50 centimes d'euros. Et donc en taxe totale, 6,35 €. Donc pour 90 euros, je vais recevoir 83,65 €. Donc récapitulatif, envoi de payeur. Envoie à SEPA, mon nom, mon prénom, pourquoi, et je clique sur continuer. Je vais être dirigé vers le paiement. Tac, je fais clic droit pour traduire en français, parce que je ne comprends pas l'anglais. Et il me demande de choisir l'option pour la commande. Ben, je clique sur payeur. OK, total, et je confirme. Je me connecte sur mon compte payeur. J'ai donc 95,70 € comme on l'a vu tout à l'heure sur mon compte et je vais faire un transfert directement de donc 90. Je clique sur confirme. Total, et vous voyez, en attente. Je revérifie sur mon compte payeur et je vois qu'il ne me reste plus que 4,83 €, ce qui signifie donc que le transfert a bien été effectué. Tout à l'heure, il était noté en attente et là, il est noté approuvé. Sur mon compte en banque, et il est bien noté en date du 15 octobre. Virement en votre faveur, Changer4You, montant de 83,65 €. Comme quoi, vous voyez, on peut vraiment récupérer de l'argent à partir du jeu Golden Farm et se le faire virer sur son compte en banque.